France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable présente, Parole d'experts. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. On n'oublie jamais de faire part de son mécontentement quand les choses vont mal. On est moins prompt à remercier, féliciter, savoir reconnaître le mérite de ses collaborateurs. Dire bravo est pourtant un excellent moyen de maintenir la performance d'un collaborateur. Alors voici quelques conseils de bon sens pour vous rappeler l'importance des remerciements. Quand mes collaborateurs font bien les choses, ce n'est pas la peine de leur dire parce que c'est normal. Ils sont payés pour ça. Quel dirigeant n'a jamais pensé ça? Il craint qu'un compliment ne déclenche une demande d'augmentation, que son collaborateur attrape la grosse tête ou au contraire se laisse aller. Cette crainte empêche bien des managers de voir les avantages des félicitations. Et pourtant, reconnaître le mérite de vos collaborateurs, c'est reconnaître la qualité d'un travail bien fait, une contribution à l'atteinte des objectifs de l'organisation. C'est faire en sorte qu'un travail satisfaisant le demeure, qu'un travail exceptionnel continue dans la voie de l'excellence. C'est également favoriser l'esprit d'initiative, motiver et maintenir un haut niveau de performance. Une reconnaissance du mérite est toujours stimulante. Il est agréable de s'entendre dire que l'on apprécie la qualité de notre travail. Reconnaître le mérite de vos collaborateurs, c'est aussi une manière de satisfaire les besoins de reconnaissance que tout individu réclame. Quand la performance est individuelle, il est encore plus motivant de la reconnaître en public. Voilà un principe de base à retenir. Les remontrances se font en privé et la reconnaissance en public. Et non l'inverse. Une reconnaissance doit être réellement méritée. Il n'est pas question de reconnaître un mérite pour le plaisir, ni pour faire dans le genre gentil. Il ne faut pas attendre la réalisation du siècle. Une performance exceptionnelle est certes l'occasion de reconnaître le mérite d'un collaborateur et de valoriser celui-ci. Mais d'autres situations appellent l'utilisation de cette technique. Par exemple, votre collaborateur a réussi à tenir des délais impossibles. Il a assuré au pied levé une opération délicate. Ou il a pris une initiative couronnée de succès. Voici trois cas où féliciter son collaborateur est particulièrement important et permet de le motiver. Lorsque celui-ci répond régulièrement à vos attentes. Christophe, cela fait 8 ans que nous travaillons ensemble et tu as toujours été au rendez-vous sur les tâches que je t'ai confiées. Sur des résultats chiffrés. Ici, il faut se baser sur du très concret et chiffrer la félicitation. Christophe, bravo pour ce mois-ci. Tu as réalisé une progression de 30% sur ton objectif. C'est vraiment un excellent résultat. Pour pouvoir féliciter, il aura fallu auparavant déterminer avec vos collaborateurs des objectifs SMART. SMART comme spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, que nous avions évoqué dans une précédente chronique. Troisième cas de félicitation sur les attitudes ou comportements qui permettent de faire évoluer la personne, l'équipe et même l'entreprise. Christophe, bravo, vous avez fait preuve d'initiative sur le chantier Dupont. Au-delà de la reconnaissance, vous pouvez expliquer comment vous et l'entreprise avez bénéficié de ces actions en citant les bénéfices du travail bien fait. Ainsi, votre collaborateur sera informé des résultats que vous valorisez et que vous appréciez. Et vous lui ferez percevoir l'importance de ses efforts. Il faut féliciter sincèrement. Les félicitations sont nécessaires. Elles sont l'expression même de la reconnaissance. Mais pour qu'elles soient reçues comme telles, il faut absolument qu'elles soient crédibles et authentiques. Si elles sont perçues comme forcées par celui qui les reçoit, elles prendront l'air d'une supercherie, d'une tactique. Attention, en matière de félicitations, la tricherie est vite dévoilée. Le manque d'enthousiasme, les lapsus, les gestes ou les expressions trahissent souvent le contraire de ce qu'on prétend démontrer. Il faut ensuite féliciter sans tarder. C'est-à-dire au moment où féliciter se justifie, à chaud pour donner précisément un peu plus de chaleur au discours. Les félicitations tardives perdent leur valeur. Et surtout, vous aurez laissé le temps à votre collaborateur de ruminer sur votre indifférence. Il faut féliciter précisément. Dire que vous êtes content ne suffit pas. Basez-vous sur des faits concrets. Une tâche bien menée, même peu importante, un projet réussi, achevé dans les délais, les louanges d'un client. Soulignez les progrès, si modestes soient-ils. Il faut féliciter rapidement. Nul besoin d'y passer des heures. La félicitation minute, bien formulée, à l'issue d'un travail difficile ou à l'arrivée d'une bonne nouvelle, fonctionne aussi bien qu'un long discours et peut même gagner en crédibilité. Il faut féliciter simplement. Pour éviter la gêne, n'en faites pas trop, n'abusez pas des superlatifs. Le simple fait que vous ayez remarqué ce qui motive votre compliment est déjà très important. Il faut féliciter entièrement.
Faites attention à ne pas glisser du bravo au tu es nul sans y prendre garde. C'est un classique. Les félicitations trop nuancées. Par exemple, tu as bien travaillé, dommage que... masque parfois un jugement critique, voire malveillant. Enfin, il faut féliciter avec plaisir. Savourez la réaction de votre interlocuteur. Après tout, féliciter est un moment chaleureux et agréable. Pour conclure, un chef d'entreprise qui sait féliciter ses collaborateurs peut plus facilement recadrer quand cela est nécessaire. Un collaborateur qui sait que son travail bien fait est reconnu par son chef est toujours enclin à faire des efforts. Féliciter permet de renforcer la cohésion et de réduire le turnover. En fin de compte, dans cette démarche, tout le monde y trouve son compte. L'entreprise dans laquelle il fait bon vivre, le chef d'entreprise qui a une équipe motivée et le salarié qui se sent reconnu dans ses efforts. Alors ne ratez pas les occasions de reconnaître vos collaborateurs et de marquer le coup. Ils vous le rendront. Bénédicte, Christophe. Oui, monsieur le directeur. Je voulais vous féliciter pour vos chroniques. Grâce à vous, notre audience a augmenté de 10%. Merci, monsieur le directeur. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.